Eh bien, salut à tous, c'est Cyril. On se retrouve aujourd'hui, les amis, pour une vidéo Squad Builder. Je vais vous montrer 3 équipes pour un total de 9 MOTM. Plus particulièrement 8, parce qu'il y a un MOTM que j'ai packé récemment. Vous pouvez le voir sur Twitter aujourd'hui même. Où je réserve une petite vidéo consacrée à lui. Donc, comme je vous dis, 3 équipes aujourd'hui, c'est quasiment les mêmes. Mais bon, avec des différents MOTM, des différentes variations sur les côtés, etc. On va commencer tranquillement par la première. On s'appelle que les MOTM, c'est les cartes orange, hein, généralement par rapport à la Ligue Champion, aux coupes, enfin des événements très importants en dehors du championnat. Voilà, donc cette première équipe, les amis, c'est un 4-3-3-4. C'est ma première équipe que j'ai faite avec des MOTM. J'essaie de mettre le maximum des MOTM dans cette équipe. Bien sûr, en fonction de mon budget aussi. Et surtout avec les joueurs que j'avais envie de tester. Un 4-3-3-4 au cage, nous avons bien sûr Taylor Navas version up. Dans l'axe, c'est Raphaël Varane MOTM. Il coûte assez cher quand même, 263 000. Je pense qu'il n'y a pas trop qu'il est baissé à l'heure actuelle, je sais pas. On va jeter un coup d'œil, ouais, à peu près, regardez, à peu près le même prix, ouais, 240, donc un très bon Raphaël Varane, MOTM, j'ai quand même fait quasiment 40 matchs, et plus vraiment satisfait, et vraiment impressionnant. Je trouve qu'il y a vraiment une bonne différence du côté physique avec ses équipes par rapport à sa carte régulière. À côté de lui, bon, vous dites qui vous voulez, hein, moi j'ai opté pour, bien sûr, Sergio Ramos version Totti. Les latéraux, bon, c'est un peu pour le collectif. Le premier, c'est Danilo, le second, c'est Philippe Luis. Et là, on va attaquer les choses sérieuses. Le MOC de cette équipe, vous le verrez à plusieurs postes dans mes équipes MC, voire même MOC. Il s'agit bien sûr de Talisca, qui est franchement très très impressionnant, que je vous invite franchement à tester, parce qu'il doit coûter aller, même pas 1000 crédits, hein, pour le tester en buteur aussi, en MOC, en MC, bref. Très impressionnant, 28 matchs, 9 buts et 10 passifs, sachant qu'il joue des fois MC, des fois MOC, donc franchement, rien à dire. En MOC, le premier, enfin le second MOTM, pardon, il s'agit bien sûr de Jonas, qui est, je crois, l'un des MOTM au niveau offensif où j'ai fait le plus de matchs et plus je suis vraiment très satisfait. C'est pareil, lui, je l'avais testé en MOC, je l'ai testé en AT, en BU, enfin bref, j'ai quasiment un peu tout testé, donc ne vous fiez pas trop au ratio parce que quand vous jouez MOC, vous marquez beaucoup moins de buts qu'un buteur, enfin bref, vous m'avez compris. Acheté pour 200k et franchement, il est extraordinaire ce joueur. Le petit défaut qu'on pourrait lui reprocher, c'est quand même d'avoir 91 en dribble pour seulement 3 étoiles de geste technique. Mais c'est un très bon tireur de coups de pied arrêté, de loin aussi, bon long shot, un physique très intéressant, il a seulement 77 pour 1,80, mais franchement, il tient très très bien sur ses épaules. Et les gauches, et les droits, pardon, Sofiane Feghouli qui pourrait pourquoi pas prendre un up en étoile de GSLDing, parce que je sais qu'en saison avec Valence, il a pris une étoile en plus, donc 4 étoiles, à tester aussi, parce que c'est vrai que c'est un bon ailier. Mais c'est vrai, 4 étoiles, ce serait franchement fantastique. Un petit Algérien, très polyvalent à Valence. Même sur foot, il est impressionnant au niveau côté de la vitesse. Passe-tir, pas mal aussi. Bon, après, je vais marquer beaucoup de buts que lui. Hein. C'est vrai que quand vous avez tellement de joueurs MOTM, c'est un peu dur de privilégier un joueur ou de forcer qu'un joueur. Donc, je joue plus pour jouer au foot ou pour gagner les matchs. Donc, il n'y a pas de préférence sur le terrain. L'ailier gauche, qui est un ailier droit. Bon, voilà, il n'y a pas trop de collectif. Et la 6, il passera à 7 dès qu'il aura bien sûr jouer 10 matchs, c'est Santi Mina. Alors lui, c'est, je vais pas l'appeler pied carré, mais c'est un mec qui a la poisse. Je crois que j'ai mis à peu près 6 voire 7 montants avec lui. Impossible de marquer un but. Enfin, je sais pas, c'est soit c'est moi qui est pas bon, soit c'est la carte, ou que bon, parce qu'il a un problème de finition sur le jeu, je ne sais pas. Mais en tout cas, putain, c'est le mec. Pas qu'à l'épée carrée, mais pas loin, quoi, parce qu'il met quand même 6-7 poteaux. Alors, je l'ai testé un petit peu à droite aussi, et à gauche aussi, mais je préfère à gauche, même s'il a pas tout son collectif, il est mieux à gauche, parce que c'est quand même, on va pas dire un pur droitier, mais pas loin, hein, parce que sinon, du pied gauche, il est pas très très bon. Mais franchement, il est pas mal sur le terrain, j'aime beaucoup, parce qu'il arrive bien à relayer le ballon, c'est un petit peu, hein, une sorte de MOC en retrait. Mais par contre, c'est vrai que, bah, en finition, il est pas top du tout. Le buteur de cette équipe, Fernando Llorente. Alors, il coûte vraiment pas cher, un petit MOTM à 20k, c'est à peu près comme Santi Mina, c'est pas cher. À tester aussi, parce que c'est un joueur, hein, qui a un profil différent. Alors, je l'ai pas testé à 2 buteurs, mais je pense qu'il serait buteur. Vous mettez à côté, je sais pas, un Rodrigo, un Griezmann, c'est un mec assez rapide. Et un Llorente à côté, bah, ça peut être intéressant, parce que c'est un joueur très bon en tête, un bon pivot, même en finition, il est très bon. Après, c'est vrai que pour l'amener devant le but, il faut avoir des centres ou des occasions, quand c'est pas un joueur qui va créer du football, qui va dribbler, etc., ni prendre de vitesse, donc c'est vrai qu'il est un petit peu limité avec lui, mais franchement j'ai pris du plaisir avec lui, il n'y a rien à dire. On enchaîne sur la deuxième équipe, alors on va reprendre quelques petites bases quand même de cette équipe-ci.
Et on va modifier un tout petit peu, on va modifier bien sûr le côté, enfin les côtés, le côté droit et le côté gauche. Dans l'axe, bon, on pouvait mettre Ramos, moi j'ai mis Pépé pour changer un petit peu. C'est une équipe avec qui j'ai fait la division 1, j'ai quasiment eu le titre de la division, il manquait un point. Enfin, j'ai fait un nul au dernier match, il me fallait une victoire et j'ai fait un nul. Mais sinon, l'équipe est très polyvalente. Alors, au cage, mon classique, Keylor Navas, dans l'axe Varane et Pépé. À droite, Dickmeyer, à gauche, Erkin. Deux MC, alors on a un vrai MC qui saisit bien sûr de Joseph Souza, le brésilien de Fenerbahçe, qui est très bon sur fut. Heureusement qu'il a, parce que c'est un peu le seul joueur défensif de cette équipe, du côté du milieu de terrain et des attaquants. Très bon joueur. Un bon joueur de passe et surtout très physique, parce que 1m88 plus 82 physique, c'est très impressionnant sur le terrain. L'autre joueur, alors c'est un petit peu du gâchis, c'est vrai, parce que c'est un joueur qui peut jouer à T, voire MOC. Mais là, comme vous le voyez, il est MC. C'est bien sûr Julian Draxler, enfin une carte de lui au poste de MOC-MC, parce que c'est un joueur qui était polyvalent, qui était très très bon, je crois qu'il y a un an ou deux ans sur FIFA, en poste de MOC, ça fait quand même, je pense, deux FIFA, il n'y a pas connu qui joue sur un côté gauche, c'est pas un joueur très rapide, mais franchement, MOC à tester, j'ai bien sûr, je vais le revendre et je vais me le racheter pour voir un peu son ratio au poste de MOC, parce que ça, c'est un petit peu du gâchis de mettre un Draxler comme ça au poste. De MC, l'ailier droit, le premier émotème de ses attaquants. Il s'agit bien sûr de Karim Bellarabi. Alors, c'est un joueur impressionnant que j'apprécie énormément. Après, bon, c'est vrai qu'il n'a pas marqué beaucoup de buts, il fait beaucoup de passes, mais quand vous jouez en division 1, vous ne gagnez pas vos matchs 6-5 ni 4-0. Donc, c'est plutôt des 1-0, 2-0, 2-1. Enfin, bref, c'est assez serré. Et Bellarabi est très bon, surtout une bonne finition du pied gauche. C'est ça qu'il a un peu les statistiques et les rendements d'un ailier, quoi. Élevé faible, c'est parfait. Les 4 étoiles, c'est parfait. La vitesse, c'est parfait. En tir, c'est parfait. Bref, un très bon joueur. Un petit défaut, c'est vrai que c'est son pied gauche qui n'est pas très très bon. Alors, pour un ailier droit, jouer avec un seul pied, c'est un peu compliqué. Dommage qu'il soit pas gaucher à droite ou droitier à gauche, raté, franchement. Parfait, l'ailier gauche, Nani, le petit Ricardo Nani. Bon, c'est un peu le joueur skill de cette équipe et qui je prends beaucoup, beaucoup de plaisir. 19 matchs, 11 buts et une passive. Je rappelle que cette équipe-là, j'ai fait uniquement des matchs en division 1. Donc vraiment, rien à dire. Et en pointe, bien sûr, on retrouve Jonas, le buteur de Benfica. Voilà. Ensuite, dernière équipe. Alors, j'ai pas tout testé encore. Voilà, c'est celle-ci. Alors, on repart un peu sur la même base que les deux précédentes, sauf que cette fois-ci, c'est le côté gauche qui a encore changé. Avant, c'était Nani, Souza et Erkin. Là, on est parti sur un petit côté hollandais de première ligue pour tester Memphis Depay, que j'ai pas encore testé. Je l'ai acheté hier, et j'ai toujours pas testé. À voir. Donc, il peut être pas mal. Mais vous qu'il coûte très, 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 très cher. Hein. Quasiment 500 000 crédits pour un MOTM, c'est cher. En plus, il a que 82 général, donc il est franchement pas mal. Mais c'est vrai que je sais pas ce que ça donne, quoi. J'ai beaucoup apprécié sa carte régulière. Est-ce que je vais kiffer sa carte MOTM? Je ne sais pas. En MC, j'avais le choix un petit peu entre des joueurs, pourquoi pas, de Manchester United, type Fellaini. Mais j'ai préféré mettre Blind pour avoir un vrai MDC. Parce que quand vous jouez la Division 1, vous avez déjà Talisca, vous avez Draxler et les attaquants, et il faut un mec pour défendre. Hein, parce que bon, Pépé, Varane, etc., c'est bien. Mais à 2 contre 5, ça fait pas grand-chose. Donc j'ai mis Blin, parce que je sais que j'avais déjà testé, j'ai beaucoup apprécié. Et latéral gauche, Van Nanolt, si vous voulez, vous pouvez mettre bien sûr sa carte uniforme. Mais personnellement, j'ai déjà testé et j'ai franchement apprécié. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à acheter un maximum de pouces bleus. Je vous ai présenté 3 équipes pour un total de 8 MOTM. Il y en a un que vous voyez ici, que j'ai packé aujourd'hui même. Hein, ceux qui me suivent sur Twitter, vous avez pu le voir. Je réserve une petite vidéo avec lui, surtout une très très belle équipe de France que j'ai fait, multicolore. Ouais, les amis, prenez soin de vous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus, à la partager sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à la prochaine. Merci. Bye bye.